my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help. To me, babe. Bon les gars, on a 4 victimes tuées dans les gradins, toutes d'une balle en pleine tête. Elles s'appelaient Maxime Delcros, Gilbert Milon, Aurélien Pérez et Romain Doche. D'après leur carte d'identité, elles avaient toutes entre 12 et 14 ans, donc de jeunes victimes. Vous trois, vous allez interroger les témoins, juste savoir s'ils ont vu quelque chose, ou s'ils peuvent identifier l'assassin. Et Chris, tu viens avec moi. Ok. Voilà les victimes. Donc on a 4 victimes par balle, une dans chaque tête. Je pense qu'ils ont tué sans froid. Comment? On a retrouvé leur portefeuille. Il n'y avait pas grand chose à l'intérieur, mais aux tueurs, on n'avait rien. Ok. Bon, je pense qu'ils avaient pour ça le but de tête. Donc, mais pourquoi cette disposition en croix?
La croix a toujours été le symbole du christianisme. On dit aussi que porter sa croix, c'est endurer des épreuves. Et Jésus a été crucifié sur la croix pour pardonner tous les péchés des hommes. A-t-on alors un tueur qui veut se faire pardonner du meurtre qu'il a commis ou qui le fait par vengeance? Ce qui nous ramène à la question éternelle. Pourquoi et qui? Je vais voir où j'en suis avec les témoignages. Ok, j'attends la règle. D'accord. Bonjour. Bonjour. Mon prénom, s'il vous plaît? Nathan Page. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces jeunes? Je ne les connaissais pas. Ils passaient juste devant chez moi en venant jouer au stade. Ils venaient souvent? Oui, souvent, surtout les week-ends et pendant les vacances scolaires. D'accord. Une dernière question. À quelle heure précisément avez-vous entendu les coups de feu? Je bricolais, il devait être environ 14h30. Vous en êtes certain? Oui, j'en suis sûr. Et qu'avez-vous fait après? J'ai immédiatement appelé la police. Je me suis douté que ça venait de l'hippodrome et j'ai tout de suite pensé aux enfants. Je vous remercie. On vous appellera pour faire votre déposition au poste. Bonjour mademoiselle, votre nom s'il vous plaît? Christelle Watin. On vous a retrouvé à rôder autour de l'hippodrome. Pourquoi? Je me promenais, c'est tout. Vraiment? Figurez-vous qu'on a retrouvé du cannabis dans les poches des victimes. Vidéo poche s'il vous plaît. C'est pas interdit de se promener, je m'en vais, rien à foutre de vous. Eh oh, tu bouges plus, compris? Et tu vas gentiment vider tes poches, madame la dileuse. Allez, toi, on t'en bat. Salut, Richard. Salut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Avec quatre enfants. Je vais remonter la nuit. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on coince ce salaud le plus vite possible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Blessure par balle au niveau de la boîte crânienne. Le tueur a dû tirer à bout portant. D'accord. L'heure du décès pour toi? Je dirais environ une heure, mais j'en saurai plus après l'examen. Ok. Tu les ramènes à la morgue et je vais rassembler tout le monde. Voilà. Tous au commissariat!